Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Go et regardez sur quoi on commence. Le petit art shiny. Ça fait méga plaisir les amis. Ouais, ça fait méga plaisir. Alors j'ai cliqué dessus, je me suis dit, mais dis-moi, il est bien pâle. Il est bien pâle ce petit art. Et c'est le petit art shiny. Faut pas qu'on le rate. Absolument qu'on le rentre. Tellement galéré pour en avoir un. Il y en avait vraiment très peu. C'est ça qui est bizarre. Il y avait beaucoup plus de Loupio que de petit art. Mais voilà, on a réussi à rentrer le petit art shiny. Rien que pour ça, je mérite un petit pouce bleu. Allez, un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour une chasse. Vous m'avez demandé de la chasse. On va essayer de faire de la chasse. Oh, il y a énormément de vent dehors. Oh là là, on s'est ramassé. On va ouvrir nos petites quêtes parce que vous savez que toutes les quêtes peuvent être des potentiels shiny. Donc celui-là, il n'est pas assez clair. On les veut plus clairs. Donc on a deux quêtes à regarder. Là c'est le petit art. Dites-moi si vous dans les commentaires si vous avez réussi déjà à avoir des shiny là-dedans. Parce que moi, enfin si j'en ai déjà vu, remarquez. J'en ai déjà vu mais pas sur mon compte. On va ouvrir celui-là. Allez, bah non. C'est le petit tilton, mais le petit tilton bleu qu'on voit trop souvent. Hein. Le petit tilton bien bleu. En même temps, on a déjà les deux shiny en tilton. On a le tilton et son évolution déjà. On en a déjà trouvé deux. Quasiment à quelques jours d'intervalle. Franchement, on était vraiment très très court. Alors, on va essayer de voir ce qu'on va avoir comme nouvelle étude de terrain. Fer et chlorin 9. Donc ça, je crois que j'en suis... ouais, j'en suis un petit peu loin. Donc ça va pas le faire. Ça, on va tourner l'arène pour récupérer des cadeaux avec les copains. C'est cool pendant cet event cadeau. J'ai l'impression que c'est quasi à coup sûr que vous aurez un cadeau. Hein. C'est... Ah, bah ok, bon, bah, on ne check pas alors. On peut checker ce Natu ? Non. Bon, en général, le Shiny attire le Shiny, donc on va essayer d'avoir un deuxième. Hein. Pourquoi pas les petits tiplouffs, profitez-en. C'est vrai que j'en voyais pas beaucoup avant cet event là, donc faut en profiter. Et le Goelis qui n'est pas shiny non plus, mais c'est pas grave, on va en trouver. Et oui, regardez ce qu'on a là. Regardez ce qu'on a là, le petit Tortipus. Et ben d'après les amis, il est 100%. Donc on va essayer de se le choper. On va pas essayer, on va mettre de la Beframbi. Hein. On va pas faire les fous. J'arrive pas à le capter avec la tablette à Dengar. Allez, descends. GPS qui veut pas marcher. Et nous, on l'attrape et on va l'évaluer. Regardez-moi ça. Le petit Tortipus pousse à 1017. Bing! Le petit 100% qui fait plaisir. Ah, oh, super. Bon, je vais essayer de le choper pour Dengar quand même. Regardez-moi ça. J'étais tellement omnibulé pour choper ce Tortipus 100% que j'ai même pas vu qu'il y avait un raid et que tous les copains en fait ils étaient là en train d'attendre pour faire le raid. Donc on va se faire ça tout de suite. On va être on est nombreux, on est 12, donc c'est nickel. Ils étaient tous là, moi j'arrive comme un blague. Ah, il est où le Tortipus? Là, bon, je prends le Tortipus et puis je... Ah, mais il y a un raid! Merde! Il fallait que je prenne la reine. Bon, bah tant pis, on va attendre, on va faire le raid en attendant. Mais ouais, ça fait plaisir. Le Tortipus 100%, eh ben, celui-là, on va bien se le garder pour le 15 septembre, pour le community des Tortipus. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. On va partir sur le community day avec un 100%. Waouh, ça fait plaisir. Ouais. Bah, franchement, ouais, vous m'avez remotivé là dans la dernière vidéo. C'est vrai que je faisais moins de chasse. Parce que la chasse, je la trouve pas intéressante et tout. Et là, vous me dites, allez, fais de la chasse. Et j'ai dit, bon, bah, je vais faire de la chasse. Et bon, on chope un shiny. Un Tortipus 100%. Ça fait grave plaisir. Allez, on se fait ce Rayquaza. Et là, si on a un shiny, je vais péter un câble. Je vous le dis tout de suite. Bravo, tu as gagné! Qui en aurait douté? Ah, les CT, faut vraiment que je m'en occupe parce que je commence à avoir plus d'une centaine, ça prend toute la place dans le sac. Allez. Envoyez-moi tout au fluide, les amis.
Eh non, toujours pas, le Gwenju, il veut pas. 2161, c'est moyen, parce que ça fait partie des petits Pokémon pour moi. Et regardez ce qu'a chopé Dengar. Ah non, c'est... Ouais, regardez-moi ça. Et ouais, c'est beau gosse. Bah, c'est que le deuxième que je chope. Voilà, bah, c'est toujours ça, c'est cool. Bon, après être remis un petit peu des émotions, il faut savoir que avec mes comptes, là, j'ai en très peu de temps de jeu, j'ai eu 3 Shiny et donc le 100% Tortiplus que j'ai chopé sur tous les comptes, donc je suis super content. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo et qui étaient vraiment, vraiment très éclairés. Franchement, ça m'a mis le déclic, je me suis dit, effectivement, c'est vrai, qu'en ce moment, tu te relâches. Regardez-moi ça. Regardez ça, comment c'est beau là derrière moi. Et c'est vrai que je manquais de... Je trouvais les chasses ennuyantes en fait. Je trouvais les chasses ennuyantes et du coup je me sentais pas de vous les proposer en vidéo. Et en fait je me rends compte que c'est ce que vous attendez quand même. Donc on va revenir aux fondamentaux. On va arrêter de se dire il faut que tu sortes une vidéo le vendredi, il faut que tu sortes une vidéo le lundi. Parce que ça donne des objectifs en fait, et pour les atteindre au final, du coup, eh ben, je finissais effectivement par moment à faire des vidéos ben, qui étaient juste de l'info, et de l'info qu'effectivement on voit un petit peu partout. Donc ma chaîne elle n'a pas été faite pour ça. C'est vrai que j'ai toujours fait de la chasse surtout. Et j'étais pas vraiment une chaîne d'infos. Alors je vous destinerai forcément des infos quand on va faire des chasses, parce que on va pas se mentir, on va pas faire des chasses miracles tous les jours. C'est clair qu'il va falloir meubler. Je vais pas vous raconter ma life, elle n'est pas intéressante. Donc on va revenir en fondamentaux et j'espère que ça, vous allez kiffer les vidéos. Et il y aura plus de on sort le lundi et le vendredi. On sortira quand la vidéo sera prête, quand je la jugerai intéressante. Voilà. Et j'espère que vous allez me soutenir dans ce nouveau départ. Allez, nouvelle quête. Shiny. Non. Il est trop foncé. Ça serait trop beau d'avoir les deux dans la même vidéo. Bon, on l'attrape. Il a au moins des bons idées, je pense. Bon, on avait un 9 avec l'or. Pour avoir 3 quêtes. En espérant avoir un shiny. Ça serait une Nenupio. Allez. Je sais même pas ce que j'ai mis dans l'œuf, j'ai pas vu l'éclosion. Ah, regarde. Ah bah le voilà l'œuf. C'est bizarre ce truc tout marron. J'aime moyen en fait. Il buguait comme le téléphone. Il est bugué le GPS. Ah, ça aurait pu être sympa. Mais non. Allez, le dernier. On est en train de se faire un petit vide-grenier tranquille. C'est très bien pour les œufs. Et non, on n'aura pas de shiny. Fermé. Ah non. Tant pis, peut-être la prochaine fois. C'est 1,5€ le pot de chocolat. Bon, on est en plein vide-grenier et on va se faire un petit Lixi. Parce qu'on a toujours pas un shiny. Et que pourquoi pas, ce serait bien de le trouver. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas beaucoup de réseau ici. Si, je suis passé en 4G. Bah voilà. Tout à l'heure, j'avais pas de réseau du tout. C'était un petit peu galère.
Allez, c'est claqué. Petite balade très sympa. Très très sympa. Allez, dites-moi qu'il est shiny. Bon, on va pas pouvoir crier, on est au milieu de tout le monde. Hein. Ils vont nous prendre pour un fou. Ah bah tiens, en plus, il fallait qu'on fasse un raid. Allez, 12 balles, et shiny, shiny, shiny. Eh non, toujours pas. Ah, c'est incroyable ça. Quand ce Lixi là, il est incroyable. Alors je crois que c'est sur le compte de Dark Vador 22. Il l'a déjà 3 fois, tranquille. Donc c'est cool. On se regarde tout de suite. Combat dans une arène. Bah non, toujours pas. Là on va se faire une nouvelle quête. Et une hirondelle, mais pas shiny malheureusement. Allez, pour terminer cette vidéo, je vous propose d'évoluer ce petit stalgamin. Ça fait plaisir, c'était, on en avait deux, ça fait longtemps que je devais faire cette évolution. Mais malheureusement, je n'avais pas assez de bonbons. Donc voilà, la petite évolution du stalgamin en shiny. C'est l'Oniclali que j'ai à 87%. Voilà. Tac. Le petit Oniclali shiny. Ça fait plaisir. Bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si le cas, vous de ma chaîne, grand pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.